C'est une rumeur qui a la dent dure depuis une dizaine d'années à Hollywood. Suffisamment pour que Scarlett Johansson se sente obligée de la démentir à nouveau. Non, elle n'a pas auditionné pour sortir avec Tom Cruise. La rumeur place cette histoire juste après la séparation entre Tom Cruise et Nicole Kidman en 2001. Scarlett Johansson aurait alors passé une audition pour décrocher le rôle de la nouvelle petite amie. Outrée par cette rumeur répétitive, l'actrice a démenti cette information de mauvais goût dans un communiqué envoyé au Hollywood Reporter. L'idée qu'une personne auditionnerait pour être dans une relation amoureuse est tellement dégradante. Je refuse que quiconque propage l'idée que je manque d'intégrité quand je choisis mes relations. Seul un homme, alias Brandon Teague, pourrait inventer une telle histoire. Après avoir taclé James Franco en début d'année, la jolie blonde semble donc décider à régler ses comptes. Brandon Teague, l'objet de son courroux, était chargé de la sécurité de Tom Cruise entre 2002 et 2009 au sein de la Scientologie. C'est lui qui a lancé cette histoire concernant l'actrice. Il a ainsi expliqué dans une émission télévisée qu'elle faisait partie d'une liste de candidats ayant auditionné pour le rôle. En revanche, rien ne s'est jamais passé depuis et l'actrice aura mis une bonne fois pour toutes les choses au clair.